c'est nul. Oh, tu peux parler, c'est pas toi qui tapes dans le ballon. Ouais. Non mais dis donc, t'es payé pour ça. Peut-être, mais je m'en balance, je suis crevée. Bon, c'est bon là, calmez-vous les filles. On l'aura quand même notre prix de match. Je veux pas dire, mais de toute façon, vous avez joué comme des savates. Demain, à la première heure, décrassage intensif. Nous allons revoir les passes du foot. Marquage à la culotte. Du couloir. La 1-2. Le jeu en triangle. Et bien sûr, le 4-4-2. Le 4-3-3 et l'emplacement du mur, etc., etc. Je vais vous apprendre à taper dans un ballon, à marquer du but. Bande sportive de canapé. Oh, tu ne vas quand même pas nous faire courir comme des malades après le match qu'on vient de faire. T'énerve pas, coach. La coupe n'est pas terminée. On fera mieux la prochaine fois. Promis. Oh. Toi, de toute façon, tu n'es même pas capable de faire une tête. De toute façon, les cages, elles sont pas assez larges pour toi. Bon, mais vous savez pas, moi, j'en ai ras le bol, coach. D'accord? Pour moi, demain matin, c'est dodo. Ah, mais oui, ah. Alors, moi, je vais faire comme toi. Passe pas comme ce Costa Cravate, qui est toujours assis sur le banc de touche. Ouais. Elle est pas belle, la vie, pour lui. Moi, je mettrai des écouteurs sur les oreilles. Comme ça, je n'entendrai pas les colons du coach. Allez, bon de finesse, ténèbres. Je vais vous secouer les puces, hein. Oh. Vous allez voir, hein. C'est vrai qu'il est dans la famille. Pour qui il se prend? Ouais, tu sais pas, ouais. Parce qu'en attendant, c'est nous toutes là qui faisons tout le boulot. Ouais. Alors tu sais pas, tu fermes ta gueule. Oh. Alors toi, bien au dit. Prochain match, t'es restauration à la bande de touche. Ouais. Oh non, c'est bon, on est crevés là. Tu gueules toujours après nous, il y en a marre. Et les filles, vous savez pas, on va faire grève du ballon. Oui, voilà. Donc, parce que Anita, c'est la meilleure joueuse, tu peux pas la mettre sur le banc de touche. C'est pas possible. Franchement, je pensais que vous êtes meilleurs. Certains Brels qui ont gagné contre vous. Oh. Hé, hey, les filles, vous savez pas, non, à Soulac, je connais le bois. Oh. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus jolis et plus gentils. Coach, tu pousses un peu trop loin le bouchon. Ah oui. On en a plein les crampons. J'en ai assez de ces gonzesses. Toujours à pleurnicher. Je me casse. Non, ah, non. Dis-moi, coach, pourquoi tu mets ma copine sur le banc de touche? D'abord. Je ne suis pas là pour me faire insulter par des gamines. En plus, qui n'ont rien dans la culotte. Rien dans la culotte. Non, mais si. Vous n'êtes pas prête à voir le ballon d'or, tête de truffe. Moi, j'ai des comptes à rendre à la fédé. Moi. Franchement, je vous signale, hein, vous êtes presque à la porte de la sortie. Et tu sais pas, en fait, on n'est pas au bagne. Alors tu vois, c'est bon là. Bon, en fait, j'ai une idée. Ah, il fait hyper beau. On va aller piquer nos têtes. Ça va nous rafraîchir les idées. Ah, ben c'est sûr. On sera beaucoup mieux. Ça va nous faire du bien plutôt que de faire ces exercices à la noix. Hein. Oh là là, alors là, la coupe, hein, c'est cuit. Hein. Et ah, c'est cuit. Hein. Oh. Et je te ferai remarquer que la coupe, si on la veut, on en est capable. Ouais, on va te le faire voir. Ouais. Alors ça, je demande à voir. Et tu verras. On l'aura. Vous êtes prêtes, les filles? Ouais. Je vais faire le coach. Et on va faire trop tour du terrain. Et on va lui faire voir de quoi on est capable à ce costard cravate, là. Toi, je vais te mener. Non, bien fait, bien fait. D'abord, tu n'as pas d'autre bol. Alors, tu es obligé de me garder. On va pas te faire voir qu'on est capable. Ouais. Allez, on y va. Allez, on y va.
vache guerre.